Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les secrets de Muriel. Aujourd'hui, c'est une vidéo extrêmement particulière puisqu'on va faire une dégustation qui décoiffe. Donc c'est parti, je vous en dis plus pendant la vidéo. Actuellement, on va faire un gros saut en parachute. Ça va être trop cool. Faut nous suivre, faut aller dans le carrosse. Le carrosse, allez, c'est pas celui-là, c'est l'autre derrière. Rentrez donc. Vas-y, rentre. C'est une transition, wesh. Vous êtes préparé pour cette expérience de Muriel ici présente. On s'est rencontrés il y a 15 jours. Un peu plus, 3 semaines. 3 semaines. Et il y a 3 jours, elle m'a envoyé un message et elle m'a dit ouais, viens faire du saut en parachute avec moi. Et du coup j'ai dit ok. Et puis du coup on y va et je suis pas du tout prêt, je me rends pas compte. La grosse impro. Ouais. On va être à 4000 mètres et. De toute façon, ça change rien, hein. 4000 mettons pas, c'est la même chose. Bah, de toute façon, on va sauter, hein. Le mec il va nous J'ai faire. J'ai toujours les pieds sur terre. Tiens, mais lui, comment tu t'es préparé? Oh putain, bah moi je sais pas si je suis vraiment préparée. Mais oui, c'est ça. Mais c'est ça qui est cool en fait. J'adore, genre ça va être dingue. Là, je me rends pas du tout compte. On va être à 4000 mètres d'altitude, qu'on va sauter dans le vide, machin, que je vais déguster ma pâtisserie. Ah oui, de fou. En l'air. Qu'on va déguster cette pâtisserie en l'air. Mon dieu, c'est génial. Meilleure dégustation, c'est sûr. Bon, même à chaque fois, c'est des meilleures dégustations. Bah ouais. J'avoue, c'était. Les buts, c'était la meilleure dégustation. Là, c'est quoi qu'on mange Des michelettes. Des michelettes. C'est un truc du Mont-Saint-Michel en fait. C'est une pâtisserie du Mont-Saint-Michel. Du mais coup, Mont-Saint-Michel, c'est pas long en plus. Bah oui, parce qu'à la base, on devait sauter au Mont-Saint-Michel et du coup, finalement, c'est au Havre. Ouah. Et voilà. Au Mont-Saint-Michel, ouais. Ça aurait été trop cool. Ouais, grave. Est-ce que vous croyez que le goût de la bouffe change en altitude? Bah, je pense que je vais être défoncé. Non, franchement. Je pense que oui. Ouais. Honnêtement, je pense que oui, ça va pas mal. Parce qu'avec l'altitude, je pense que nos perceptions, elles sont différentes. Ouais. On doit peut-être avoir justement nos sens, c'est pas habitué quoi. Le son. Ouais. Non mais attends, surtout avec l'adrénaline, genre ça va être dingue, c'est sûr. Don't stop me now. I don't wanna stop at all. Et ma voix comme elle est belle. Ça stresse. Ah, j'ai chaud là d'un coup. Aïe aïe aïe. J'ai trop peur, faut pas que j'oublie les gâteaux et tout. Ça va être trop bien. Quelqu'un veut un cookies déjà? Attends, ils sont prêts là. Ils sont pas là. Ils sont lourds. Ils sont là ou ils sont pas là? Ils sont là. Oh là là, mais regardez ça là. Ça c'est le petit avant, tu vois, genre cookies pécans, chocolat blanc. Non, ça c'est juste les cookies en plus, tu vois, comme ça, pour le plaisir. Pécans, chocolat blanc. Merci. Le mec il va en prendre 3 d'un coup, j'adore. C'est trop bon. Merci. On va parler de la bouffe pleine. Non. Bon. Tac. T'imagines, t'es obligé de sauter avec ton masque. Mais je crois qu'il faut, mais ils ont des masques spéciaux.
coup, on va aller voir. Et on va lui demander à quelle heure on saute, tout ça, et après on va les retirer. Il va reculant, tu sais. Ah, si tu veux, j'avance. Hein. Vas-y, avance. Moi, sois fier et déterminé. On va sauter en parachute, mec. Ah ouais? Ouais, vraiment. Pourquoi faire? Non, je sais pas. On va faire des trucs de ouf dans les lives, quoi. Ah ouais? Tu vas dire, ça va être toi, là? Ouais. On attend Mario. On vous explique. On vient attends, voir. Attends, le bruit là. Oh là là, il y a des gens qui. On vient voir des anciens parachutistes. On vient voir des anciens parachutistes de l'armée de l'air. Je suis pas sûr que ce soit bon d'enlever mon masque comme ça. C'est mieux que je l'enlève comme ça. Hein. Je pense qu'il vient de monter là. Hein? Il vient de monter en hélico. Hein. Vas-y, au pire, on va retirer tout de suite. Hein. Donc ça, c'est fait. Attends, tu veux pas qu'on monte quand même? D'accord. Bah, pour l'instant, on peut que Mario revienne et ouais. Puis on va y mourir. D'accord. Ok, bon, on va faire un tour et puis on revient. Ça marche, pas de soucis. Merci beaucoup, merci. À tout à l'heure. Bonne journée. Bonjour. C'est la loose. Ah, je vois, il vient de monter. Hein. Il vient de monter. C'est la loose, putain. Je pense que j'avais pas arrêté pour que je chie là. Ça, c'est un rush que tu gardes évidemment. Ouais. tous les jours. Et le Black Evelyn. Oui. Ça va être dingue, putain. Je réagis pas là, je suis en mode, j'ai l'impression qu'on va juste à la plage. Enfin, c'est ce qu'on fait là. Ah, Lucas. J'avais dit, on tombe sur le pas. Je suis en train de faire ton meilleur rush pour ta vidéo. Jamais être comme le réchauffement climatique, encore plus chaude dans 40 ans. Je suis grave chaude. Grave chaude de ça. Moi, je trouve ça bien, quand même. Il y a peut-être des trucs là. Bah, tu sais quoi, aller faire un tour en deux speed. Ouais. On va sauter. Quelques minutes de sauter, comment est-ce que tu penses? Oh mon dieu, j'ai tellement faim, mais en même temps j'ai pas faim. Donc on va se partager un petit panini pour pas sauter le ventre vide. J'essaye de pas trop y penser parce que je pense que là ça va monter et ça va gargouiller tout partout là. Ah oh, ça y est, je suis en stress. Non, ça va être trop bien, je vis ma meilleure vie, franchement c'est génial. J'adore. J'ai trop hâte. Bon, on rejoint Boula là qui s'enjaille au skatepark. On adore. Et petit plaisir. Qu'est-ce qui est le plus cool, c'est de sauter en parachute ou de manger en altitude? Oh, franchement, ah, les deux. Non mais franchement, sauter en parachute, c'est juste ouf. J'en rêve depuis trop longtemps et je suis trop contente. Ça y est, c'est aujourd'hui, c'est un truc de malade. Et en plus de ça, je vais faire une déguste. Non mais ça, c'est génial. Ça, c'est grâce à Mario, c'est lui qui m'a proposé. Je trouve ça génial. Le mec est aussi fou que moi. Là, tu vas aller sauter là-dedans. Grave. Ouais, mais non, mais je vais juste une fois. Histoire d'elle. Ouais, fais la maline. On verra dans une heure. Faut pas faire un default avec garbage. Début de ma vie qui commence. Ouais. Du coup je garde cette feuille. Ça restera mon souvenir.
Et Florence, okay. Du coup, mon ami. Cyril. Quoi, Cyril? J'ai un sauté avec Cyril. Il va te briefer, parce que moi, j'ai fait deux avions d'affilée. Ouais. On sera dans le dernier avion avec Cyril. Nickel. Bon, à tout à l'heure, merci. À tout à l'heure, merci. C'est génial, putain. Mais bon, qu'est-ce que j'ai en train de faire? Ça va être trop bien. Est-ce que vous voulez goûter une michelette, Mario? Mario. Bernard. Oh là là, déjà je commence. Une michelette pour Bernard? C'est un petit gâteau. C'est une spécialité du Mont-Saint-Michel, mais c'est moi qui les ai faites. Parce que je suis pâtissière et on va les déguster en vol. Pas du tout. Eh ben allez-y, vous me direz si c'est bon. Moi aussi j'ai envie de goûter, wesh. Toi tu vas goûter en vol? Oh là là, ça a l'air incroyable. Je vais partager avec mon épouse qui est à côté. Ah, génial. Trop mignon. On est de retour. T'as dit, ça s'appelle michelette. Une michelette. C'est incroyable. Le pain rouge, tu veux goûter? Les deux boîtes, quoi. Oh mon dieu! Attends, alors là, ça. Tu as la voiture de Mario? Oui. Oui, je l'ai juste passé à côté. Ok, pardon. Bonjour. Alors, c'est toi qui vas passer? Oui. Oui, il y a Lucas qui est juste là. Faut qu'il vienne. Lucas? Voilà. J'ai pas entendu. Un point habillé, moi je mets mon sweat. Hein. On est à 70,8. Ah ouais? Comment j'ai pas perdu un gramme? Ici. On se dépoile en deux secondes. C'est ce que je me dis. Alors, est-ce que ça passe? Ça fait. Alors, moi, je vais pas avoir froid. Ah, vive ma mère. Moi non plus, je sens ça. Oh, comment ça me tient? Je te jure, il remonte jusque-là. J'avoue. Putain, moi, c'est trop grand. Attends, ça se descend. Moi, ça va aller, je pense. Attends, je regarde si la voix, elle passe. Je vais descendre mon pantalon. Genre, nickel hein, la boîte là, regarde comme c'est beau. Attends, j'essaye. T'as des uns. De ouf. J'ouvre, tac, je file le truc, je mange mon truc, nickel. Ouais, de fou. On est bien. Putain, on doit être beau là. Franchement, petit look hein. Je sais pas si c'est circassien ou parachutiste, mais c'est joli. J'aime bien. Regarde, tu fais comme ça là, après tu fais comme ça. Le mec il va t'en sauter dans ce poil. Pas mal. Ouais, moi je vais avoir chaud d'eau. C'est génial même. On est pas beau là. Ah, magnifique. Franchement, meilleure vidéo de ta chaîne ever. Oh, c'est en parachute. On est des ouf. Oh, putain, sa mère. Garbage. Putain. Garbage ou pas garbage? Garbage, mec. Ça va être dingue. Parfait. Ah, t'es grand, moi, t'es... Ouais, je sais, ouais, je pensais qu'avec XXL, c'était... Tiens, c'est ça. Ah, c'est ma banane. Y'a quoi dedans? Des chocs à pique. Des chocs à pique. Tu vois, ça, une michelette. Oh, j'arrive à la manger. Je vais aller voir le briefing. Bien sûr, on prend nos affaires. Et puis, il y aura Mario. Restez là pour que Mario lui refasse un rappel du saut, d'accord? Ok, ça marche, merci Cyril. Bonjour, l'équipe d'Abeille Parachutisme vous souhaite la bienvenue. Je vous demande d'être attentif à ce briefing. Il est le garant de votre sécurité. Allez, viens là-bas. Sois attentif. Avec un minimum de stress. Écoute maintenant. Avec un minimum de stress. C'est bon le briefing vidéo? Ouais. Vous savez tout? Attends, l'atterrissage. On a dit, on
Là, c'est la chute, mais il reste comme ça. Ou comme ça. Oh là, ma coupe. Ouais. Et là, tu kiffes, nous. Une fois la voile levée, et sur ordre de votre pilote tandem, vous serez peut-être amené à utiliser votre bleu de sauvetage. Nous allons donc vous montrer comment la mettre en œuvre. Est-ce que c'est Mario qui va m'équiper? Ah ouais, putain, il y a des poignées, c'est trop bien. Relevez légèrement votre pointe de pied vers le ciel, et vous nous laissez atterrir. En aucun cas, vous posez les pieds avant. Ok, tu ne poses pas les pieds avant. Attends, je fais quoi? Tu poses pas les pieds avant. Okay. Même si t'es grand. Tu gagnes. C'est une dinguerie, ok, c'est un peu lourd. Je me sens un peu engoncée là. Mais c'est cool, putain, ça se rapproche là. On attend Mario, on attend Cyril. T'as envie que je te parle et que je te pose des questions pour changer les idées ou ça va, tu gères? Ça va, ça va. Mais j'ai hâte là, faut qu'on y aille là, tu sais, je sens que... Faut y aller quoi. Faut être dans l'avion là. Ouais, de ouf. Petite perche à selfie. C'est vrai, ça sert à ça? Je pense. À quel moment tu manges? Au moment où on est sous voile, quand il a développé la voile. Et les gâteaux, tu vas les mettre où? Là. Tu vas dire... Grave, je vais faire comme ça. Tac, je vais choper la boîte, je vais l'ouvrir. Je vais manger. Ça va être trop bien, ça va être trop bien. C'est la première fois. Tu t'appelles comment? Marina. Enchantée, oh, Marina. Moi, je fais du parapente déjà, mais je n'ai jamais fait le parachute. C'est vrai? Ouais. Nous, c'est notre première aussi, là. Donc, j'ai très peur. Est-ce que vous avez un dernier mot? Il y a l'avion qui arrive, on n'entendra plus rien. Oh, ça fait plaisir. Je sais pas. Quitter, ma chérie, je t'aime très fort. Fais gaffe à nos affaires. Je t'aime. J'espère que je vais pas m'étouffer en dégustant les michelettes. Et Lucas, il a ses michelettes? Grave. Nickel. On a nos michelettes. T'as la boîte de gâteaux? Ouais. Ah. T'as des gâteaux pour le pilote aussi? Bien sûr. C'est dans le coup ça. Des michelettes. Ah, il y a des gâteaux. Regarde, tu pourras t'en servir comme pub avec le pilote. C'est la première avant d'offrir. C'est un des meilleurs pilotes du monde. C'est vrai, trop bien. On verra un peu plus haut, comme ça on restera plus longtemps en l'air.
À ce moment-là, il y a beaucoup trop de vent, donc on ne nous entend plus. Déjà que vous ne nous entendiez pas beaucoup. Mais en gros, on déguste les michelettes à 1000 mètres d'altitude sous voile, le vent en pleine face. Et honnêtement, c'était un gros kiff avec Mario. C'est génial. Parachute, c'est incroyable, j'ai perdu mon chouchou, mais c'est pas grave. Dégustation, plein de chocolat. Ouais, c'est clair, j'en avais plein les dents. Ça va. Non, c'était bon. Fou. Ça plaît comment déjà? Les michelettes. Les michelettes, ouais. On a mangé des michelettes à 4000 mètres d'altitude. Grave, spécialité du Mont-Saint-Michel. Voilà. C'est trop bien. Prochaine fois au Mont-Saint-Michel. Ouais, grave, voilà. Ouais, carrément. Ah, c'était fou. Super. Merci, merci. Ah bah oui, tiens. Oh la dinguerie. Bon, elles ont un peu ramolli, mais... Ouais, elles étaient grave bonnes les nôtres. Ouais, cool, tant mieux. Comment ça m'a éclaté la gueule, c'est incroyable. Le son, c'est misclé. Pop, pop. Là, je te jure. Mais ouais, normal, mais t'inquiète. T'as fait comme ça, là? Ouais. T'as un peu soufflé? Ah là là, c'était... C'est une sensation trop étrange, en fait, le... La chute. T'as l'impression que la terre, elle est devant toi. Ouais, je sais pas comment expliquer. C'est trop bizarre. La terre, elle était devant nous, genre moi, je sais comme ça. Pas tant la vitesse en fait et en non, même temps. Non, t'as, t'as une impression de. De... Ah ouais! Oh, c'est incroyable, c'était oh là là, puis après sous voile, t'es trop bien et t'as l'impression d'être dans une autre dimension, t'es au-dessus de tout le monde. Moi, ça a fait. Merci! Merci les gars! Bravo les gars! Ah ouais, grave!
Vous avez mangé votre petit gâteau aussi? Ouais, grave. Moi aussi. Ouais, j'en ai partout là. Ils sont bons, les petits gâteaux là. Ouais, et on a eu un saut VIP, ils nous ont emmené à 4000 mètres au lieu ouais. de. Ouais. De 3003. Ouais. Minutes pour me raconter comment tu l'as vécu. Déjà j'ai raconté la moitié là, mais c'est fou. Non mais dans l'avion c'est dingue parce que tu décolles avec tout le monde et tout là, tu gravis là comme ça, ils te montrent. Alors là on est à 1000 mètres, 2000, 3000 et on va sauter à 4000 et toi tu fais oh putain. Et c'est tellement beau là-haut, déjà le tour d'hélico est ouf. Et après tu vois ceux qui sortent tout seuls, déjà tu fais oh mon dieu. Là tu réalises, tu cogites. Après j'ai vu Lucas partir. Et puis après, on y a été en 2-2, et hop, là, t'es comme ça, et là, tu réagis pas, t'es déjà parti. C'est que du bonheur. Ça va, c'était ouf. Franchement, c'était. La chute, est... elle est indescriptible en fait. Parce que, je sais pas, c'est hors temps en fait. T'as pas l'impression de tomber vraiment, et en même temps, tu sens que t'es dans le vide, et c'est ouf. Enfin, t'as failli peur de te lancer? Bah, ça va vite, donc c'est cool. T'as pas le temps de rentrer. Ouais, t'as peur avant. Et en fait, une fois que Mario, tu te concentres sur le fait de mettre ta tête là et les jambes en arrière. Quand tu es dans l'action, t'as plus peur après. Ah, c'est ouf. Et là, tu fais, ouais, dans le sac, loulou. Ah, bah voilà, très bien. Et du coup, voilà, et c'est ouf. Et après, sous voile, c'est génial. La dégustation, trop bien. Ah, ouais, aussi. Moi, je mange en deux trucs par contre. C'est trop bien. Et là, on a même encore des cookies. Pas de petit bonheur. Pour toute l'équipe d'ailleurs, hein. Pour tous ceux qui veulent des cookies. Hein. Ouais. Faut pas hésiter. Ah, c'était ouf. Tu voulais faire un gâteau ? Ouais. Ouais.